En clôturant le point de presse, le coordinateur du F24 est revenu sur la nouvelle feuille de route tracée par la plateforme pour lutter contre ce qu'elle appelle l'antidémocratie du régime en place. Une tournée nationale sera effectuée en ce sens à partir de cette semaine. Nous dénonçons le recul de notre démocratie avec la liberté des citoyens bafouée. La campagne nationale de sensibilisation contre le non-respect des libertés va débuter cette semaine. Nous allons alerter sur le modus operandi du gouvernement qui veut instaurer l'aventure du chaos pour rester encore au pouvoir. Nous ferons le tour du pays, il ajoute, dans la complainte, le retrait du parrainage qui ne convainc personne parce que le problème du fichier et du logiciel reste en l'état. C'est pourquoi, faites savoir, nous invitons les députés à faire un recours pour voir la constitutionnalité du parrainage car la constitution est très claire. Elle dit que les lois de la CEDEAO coiffent nos codes. Nous poursuivons notre combat pour un Sénégal de paix et de dialogue.